service, merci encore à Ndenge Temuna, on a toujours dans les cadres de l'Assemblée en Boca. Après meeting, il y a Martin Fayoun, la place Saint-Thérèse, où il y a drainé le monde, Bakbaïkebele. Discours et salami en meeting, on a message à Martin Fayoun et salami, il faut faire ce qu'il a démissionné, faire ce qu'il a vendu la République, et pas il y a Kabila, Azala qui déjà affaibli, fait ce qu'il dit, et on peut ça. Kabila, Babeki. Après le meeting, Tokutana Kinabandeko Yakashi, surtout particulièrement, Fédération, il y a Villa Kinshasa, il y a INC, Bango Bazanga Malobate, réagissant qui peut, selon Bango Bazanga, qui va mekako recadrer Martin Fayoul par rapport à la propos de Atenaki Bolanda, Oma. Fédération, il y a Villa Kinshasa, Ndenge, Barrepondaki, Batakaki, Martin Fayou. Suivez-vous, on se retrouve juste après. Bon, bonjour, Maître Basile. Bonjour. Oui, Ndeko Basile, on a invité un meeting à Martin Fayou, on a invité Kolanda Kiango. Réaction d'abord, Rosa, Ndenge Nini, il y a un meeting à Ndeko Martin Fayou. Je suis très heureux de vous parler de la bonne question et de la bonne question. Le konabiso Martin Fayoulou azali député national. Et pour ça, il y a soni mingi. Velo Martin Fayoulou azo senga na Félix a démissionné. Quand on demande quelqu'un pour démissionner, donc on reconnaît que cette personne c'est une autorité. Donc Fayoulou a reconnaître Félix comme président de la République azo senga ya démissionné. Félix a un mandat de 5 ans que le peuple congolais la CENI et la Cour constitutionnelle avait confirmé l'expression du peuple congolais il y a 2018 le 30 décembre. Donc le président a un mandat de 5 ans. Si Fayoulou qui est en mode de positionnement à la Mouka, comme c'était montré que Moïse Katumbi Mbemba avait formé, et les leaders ont décidé de lui placer le dernier, parce qu'autrefois, je me suis posé des questions dans la monnaie, dans mode de désignation. Il faut que je sache que l'histoire de peuple congolais, à l'époque, tu décidais qui était la désignation par rapport à ma critère. Il y avait deux personnes qui répondaient aux critères. C'était Vital Kamerhe à l'époque et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que ma critère, c'est un parti politique qui est dans la République démocratique du Congo, Mobimba. Et puis, on a au moins un poids politique. Et puis, on a au moins un cursus académique à avoir géré. Et ça, c'est un critère, il faut aussi avoir la base. Tant que tu as la base, tu as la base, tu as la base. Tant que tu as compris que non, ce sont les deux personnalités qui peuvent répondre aux idérateurs du peuple congolais, tu as la base, tu as la tricage, tu as la élection. Mais le lot, je ne sais pas si quel critère tu as accueilli pour que tu as la base de la désignation. Moïse Katumbi a été désigné comme président de la plateforme Lamouka. Nous avons dit que c'est un danger. Nous avons un mal de positionnement. Je sais très bien que son patron, Moïse Katumbi, lui a interdit même de parler prochainement. Nous avons dit que c'est un peu. Donc le peuple congolais va retenir le Komoko. Que si vous n'êtes pas autorité, vous ne pouvez pas démissionner. Comme il a parlé de la démission, donc Félix, c'est son chef. Il est le chef de tous les Congolais, il est président de la République. Donc il ne peut pas démissionner. La démission, c'est un acte personnel. Mais au a mobilisé la population. La population s'est référée à l'Égypte, à Soudan. Mais chef de l'État. Nous demandons Fayoulou, c'est lui qui dit que non, il est légaliste, il doit aussi faire recours aux lois. Et il est aussi démocrate. Aujourd'hui, il fait honte de certaines personnes ou les personnes qui sont à l'opposition. Le cas de l'Égypte ou le cas de Soudan ou Algérie, ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Là-bas, il y a la dictature, un chef qui est au pouvoir pendant 30 ans, 32 ans. Et le peuple soudanais ou algérien, ils ont dit niet. Mais ici, nous sommes passés par les élections. Et le peuple congolais a voté un candidat qui était parmi les 11, parmi les 21. Et c'est Félix qui a été élu. C'est l'institution compétente dans la CENI à promulguer Félix. La juridiction compétente
a promulgué ou a donné l'arrêt définitif pour que Félix soit là et le Félix est là. Martin Fayulu doit faire d'autres choses. On lui a donné les injonctions d'aller siéger comme député et faire l'opposition républicaine. Lorsque vous allez faire une opposition républicaine, vous devez aussi suivre et rester sous les lois de ce pays. Le seul président, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Martin Fayulu, si vous continuez à amener ou à impliquer le peuple congolais, des mots, amenant le peuple congolais pour l'impliquer certaines choses en allant dans l'optique d'ingérer le chef de l'État, vous risqueriez d'être poursuivi et on va encore dire que non, Lelo Félix Akumukanga Batu. Pour donner le message, la seule arme pour les gens qui n'ont pas étudié, pour les gens qui sont faibles, ce sont les injures. Quand quelqu'un commence déjà à injurier, il est devenu faible. Nous ne sommes pas là pour entrer dans ce combat. Félix, c'est un président qui a été élu. Il a aujourd'hui, Martin Fayulu demande à Félix d'exhiber l'accord. Mais je ne comprends pas. Fayulu qui avait dit qu'il a été élu à 60%, à 62%, à 52%, à, si c'est combien de pourcentage que Fayulu a été élu, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, le même Fayulu demande à Félix de démissionner, il demande encore qu'on puisse lui exhiber l'accord. Celui qui allègue les faits, il n'a qu'à mener des preuves. Si lui, il en a l'accord que Fayulu, que le président actuel qui dirige le pays, l'homme qui marche dans les tapis rouges, si lui, Fayulu, a cet accord, il peut le brandir, il peut chercher, parce que les accords ne sont pas là pour rester éternellement, non. Mais à ce moment-ci, c'est la constitution qui dirige le pays. La constitution reconnaît le mandat de 5 ans que le peuple congolais ont donné à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit que le président n'a rien fait dans son discours. Mais c'est honteux, c'est de mentir le peuple congolais. Le premier bénéficiaire du bienfait de le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est Fayulu. Fayulu a promené dans toute la République. Il n'y a eu aucune arrestation. Il n'y a pas eu la gaz lacrymogène, mais tout ça, ce n'est pas un changement. Est-ce que les peuples congolais n'ont pas des yeux pour voir? C'est le même cas avec Jésus. Quand Jésus faisait des miracles, les gens disaient que ce n'est pas lui le Dieu. Non, c'était lui qui était Dieu. Quand il dit, toi tu es malade, la maladie est finie, lève-toi, marche, tu peux partir. Les gens n'acceptaient pas, oh il faut qu'à tout moment. Non, nous ne vont pas amener les gens avec des discours de mensonges pour transmettre votre message. Les peuples congolais ont compris. Dans les 100 jours, la première personne à bénéficier du bilan de 100 jours, c'est Fayulu. Il a fait son meeting hier. Il n'y a eu aucune arrestation, aucune gaz lacrymogène. Et puis, les peuples congolais se sont retournés dans leur maison tranquillement parce que l'état de droit qu'on réclamait autrefois à l'opposition, Lelo Moutazo bénéficiait à Fayulu. 100 jours, c'est la réalité. Banzela et Komo Salama. L'argent qu'on loue à la présidence pour une année, Félix a utilisé ça pour 3 mois. Je sais très bien que non, Fayulu, c'est un monsieur qui amène des balles à la diffusion. Il ramasse des informations, il vient balancer ça comme ça. S'il a des preuves que Félix a dépassé le budget, lui là, il n'est pas la présidence. Il a eu ça où? Pourquoi amener les mensonges? Il dit que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement. Est-ce que dans la Constitution, on a délimité une date précise pour que le président nomme un premier ministre? Non, Fayulu, ce n'est plus le temps de mentir. Si vous n'avez pas la matière ou vous n'avez plus de choses à faire, il faut aller soit faire du théâtre. Les peuples congolais ont compris, ils avaient élu Félix. Ce que nous on demandait à l'opposition, lorsque nous étions à l'opposition, nous avons déjà mis ça en place. S'il y a une manifestation, on vous le donne. Si vous avez une revendication, on vous laisse le faire. C'est ça l'état des droits qu'on réclamait. Lorsque Kabila était au pouvoir, c'était impossible. On nous disait, non, nous sommes dans un régime d'autorisation. Oh, la Constitution nous parle de régime d'information. Lorsqu'on informe, on avait informé par rapport à son meeting et ça a été accordé. Il a fait, on n'a pas arrêté les gens, on n'a rien fait et c'était passé tranquillement. Félix Tshisekedi, il a un mandat de 5 ans. Il est là, celui qui dirige Fayulu. Il est le dernier parmi les gens qui sont dans la Mouka. Et il doit aussi chercher à faire d'autres histoires. Je ne sais pas, à la longue, s'il va encore rester longtemps dans ces plateformes parce qu'il est le dernier. Voilà, alors concernant toujours la polémique autour de la nomination, il y a
Premier ministre, comment vous le voyez? Il faut que le chef de l'État nomme au sein du CACH ou du FCC? Je réponds à cette question à Minaku qui a parlé ce matin sur RFI. Il a dit que le président de la République doit nommer donc collectivement un Premier ministre dans le FCC. Mais le Premier Minaku, juriste que vous êtes en train de vous contredire. Je ne suis pas d'accord sur ce point avec Minaku parce que la Constitution dit que le Premier ministre nomme. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité présidentielle, au sein de la majorité parlementaire. FCC CACH, tous nous sommes à la majorité parlementaire. Entre un accord et la Constitution, c'est l'accord qui prime. Le président, c'est un légaliste. Le président, c'est un président qui respecte les lois de la République. Il va respecter la Constitution et ne pas suivre les histoires que ces gens-là sont en train de dire. Bientôt, incessamment, le Premier ministre sera là et vous allez donner raison que Félix, c'est un homme qui écoute les préoccupations ou les attentes du peuple congolais. L'étape de la distraction ou l'étape de violation de la Constitution s'est déjà passée. Félix est là pour respecter la Constitution. Nous allons nommer le Premier ministre conformément à la Constitution. Nous allons faire un théâtre. Ceux qui assemblent à sa marche, à sa meeting, ou à un concert, sont autorisés à un concert. Mais maintenant, il y a des gens qui sont en train politique, ils sont en train de se faire. 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 Ils sont en déjà. Chilombo Antoine, on a un paquebo. Oh, Azana charge à Afrique centrale. Oh, Azana charge à Batiké lié. Au bout de 32 ans, Abomimbo Koyo, Kabila 18 ans a détruit le pays. Maintenant, 3 mois, le premier bénéficiaire est en dégoufail. Maintenant, au cas moi, façon Azakolo Baba propos irresponsable, façon Akofinga, Mokonzamboka, Akofinga, des tels cabinets et des gens de l'État, et au salaire pas si mis. Donc, je dirais que nous avons fait une politique à Kenne pour s'adhérer et pas à mon gauche, ou bien pas à Sobe, ou bien à Lukawera, pas mettre la musique. Mais alors, 3 mois, pas à Sali dépassement, il y a un budget, au Baloua, dans la présidence, il y a dans 3 mois, à Sili Simbo, il y a une année. Mais dans 3 mois, nous avons bénéficié, c'est ça, nous avons fait 3 mois, pas à moi, nous avons bénéficié dans 3 mois. Hôtel Night, Hôtel Faust, 300 et foutu à temps sur l'État. Mais dans 3 mois, à l'ongo, il y a un temps sur l'État. Dans 3 mois, à Robert, il y a un concert, il y a un temps. Ni l'ISAS, ni les lacrymogènes, et Robert Tate. À ça, pour un bénéficiaire. Mais on va dire maintenant qu'on a boni. Dans 3 mois, on a des conangaï. Tu as commencé à n'engue, il y a un temps. Mais si tu as pour les arrêter, il y a un temps qui faille. Les lois pour les épées n'ont pas de monde. Ok, la Kassai, pour les arrêter, pour les épées. Les lois, tu as commencé à l'aider à la Kata Gisasa, Banzela. Oyo ndio la biso atia kinde okabila na 3 mois anze sami toke na kisangani dans 25 jours toke to konogire pas au relier 3 provinces ndio kona ba ko ni matendo ngeni de ko sa kimtia besa li ene ko sala ndeko failu asa la calme bientôt là toko donné premier ministre akobima donc failu asa la calme asika politika ene asa ko sala wana ah le mama premier ministre ngo akouta na cash toko uta na FCC pour obé minako lobby. Les accords de débat, le Premier ministre est toujours dans la FCC. Je suis en train de se calmer. Je suis en éducation de faire un exemple pour sa vie. Hier, il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Tout le monde est en train de se calmer. Par assistant parlementaire, il y a toujours un toujours à cause de Minaku. C'est le lieu. C'est ni à ça que je à cause de Minaku. Le Premier ministre a fait la conscience de sa vie. Avant de venir à l'Assemblée nationale, il y a un peu de temps. Mandat à Kabila. Par rapport à l'élection Premier ministre, tout le monde s'est entendu dans le Azali, garant de la nation, à ce propos discrétionnel, qu'on soit crash, qu'on soit FCC, tout ça, bien dans mon conseil, mon corps, et ça, tu le mot, tu sais que, oh, ça, garant de la nation, FCC fait le conjuguer au passé, FCC fait le conjuguer au passif, donc FCC va la pouvoir, tu prends la pouvoir, dans la signature, et ça, ne décoche le mot, on a combien de paquets, tout le monde s'est entendu, bisous, dans le mot, bisous, à l'INC. Personnellement, ça n'engage que moi, je conseille à Mokonzamboka à nommer Vite Kamé comme Premier ministre. Parce que Azan a incarné vision à Mokonzamboka. Parce que VK, Azan a fierté, Azan a charge, au Fatih Roupé, c'est côté Akama, Akama Moko. Donc, et le Kouana, exacté, Batavis, c'est Mokoué, c'est Mokonzamboka. Si le président de la République a nommé la pouvoir de son aïe, a nommé
nommé vite quand même comme premier ministre. Tout le monde est écoutez moi. Ok, merci. La tournée va tourner là-bas. Merci de venir sur notre Konanda. Comment les jeunes et la fédération de la Kinshasa, comment rétablir, pour répondre à Martin Fayoul par rapport à la meeting, le message à la meeting, lobby, ou à la bombe. Merci de venir sur. Bye bye.